Aujourd'hui, nous assistons à la présentation donc, des réalisations de Saham Assurance Maroc en 2017. Le chiffre d'affaires réalisé est de 4 847 millions de dirhams. Le chiffre d'affaires automobile est de 2 milliards 100 millions de dirhams. Le chiffre d'affaires sans accident corporel est de 900 millions de dirhams. Et pour la première fois, le chiffre d'affaires de la vie dépasse la barre du milliard de dirhams. C'est une croissance globale de 10,3%. Bien réparti entre l'ensemble des branches de l'assurance. Le résultat net a connu également un bond très important de plus de 56% pour atteindre un résultat net de 441 millions de dirhams. Au-delà des chiffres et des résultats, nous sommes également très fiers de tous les services que nous avons lancés en 2017 au niveau du marché marocain de l'assurance. Il y a une liste de services, le service 3434, le numéro court qui permet aux assurés d'avoir d'accéder à une plateforme de service pour déclarer des sinistres, demander de l'assistance et faire beaucoup de choses. La communication en arabe, les contrats en arabe. Donc l'année 2017 a été très riche en termes de réalisation et de services. Et nous souhaitons donc continuer sur la même lancée et continuer à innover et lancer de nouveaux services en 2018. Au niveau de la communication, nous avons connu également des changements importants en 2017. Avec une nouvelle orientation, un nouveau temps qui est donné à la communication, un temps direct, un temps qui va direct vers le cœur de cible, et avec l'utilisation des réseaux sociaux au niveau de cette communication, et avec notre web série qui a été vue pour plus de 3,5 millions de fois. Nous remercions également notre partenaire par rapport à ça, Simous Narati. Donc, qui a fait le job, et je pense qu'on a fait le bon choix d'aller sur les réseaux sociaux.